On va se l'avouer, non ? Être sur le chemin de l'éveil ne veut pas dire que les choses sont plus faciles. Au contraire, les choses sont plus difficiles parce que tu vois les épreuves, tu as conscience des épreuves, tu as conscience des énergies denses, tu as conscience de ce que tu dois travailler, tu as conscience qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se bloque dans ta vie, il y a un véritable challenge derrière, il y a un véritable cadeau. Et on va se l'avouer, c'est franchement difficile. Ceux qui te vendent le chemin de l'éveil comme quelque chose de simple, comme quelque chose de génial, de youpi, de bisounours, que tu vas être en totale synergie avec le divin, bah, je suis désolée. Je suis désolée pour toi, ça ne va pas être du tout pareil. Le seul, on va dire, truc grandiose qui va t'arriver, c'est de comprendre que tu n'es pas seule. Que tu es toujours guidée. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même vachement confortable, tu ne trouves pas ? De savoir que tu es toujours guidée, quoi qu'il arrive, même si tu es enfermée dans la pénombre. Et ça, ça s'appelle la foi. La foi sera toujours ta lanterne dans l'obscurité. Une fois que tu as compris cela, le chemin de l'éveil se fera avec facilité et grâce, car tu resteras toujours centré dans ton cœur comme boussole. Comme étant ta lanterne. Alors, te décourage pas et allons-y.